Wow, c'est quoi cette usine géante? C'est une centrale qui produit de l'électricité grâce au nucléaire. Ça fait de l'électricité avec des bombes atomiques? Trop fort! Non, pas vraiment. Alors comment ça marche? C'est un peu compliqué. Tu vois, ce bâtiment, c'est le réacteur. Il y a des murs très épais car il abrite le cœur. C'est dans le cœur qu'a lieu la fission nucléaire. C'est quoi la fission? C'est la base de l'énergie nucléaire. On a découvert que si on casse des atomes d'uranium en les bombardant avec des neutrons, ils dégagent énormément de chaleur. Cette chaleur chauffe l'eau et la transforme en vapeur. Cette vapeur fait tourner de grosses turbines qui produisent de l'électricité. La vapeur brûlante doit ensuite refroidir. Pour cela, elle passe dans cette immense tour là-bas. Au contact de l'eau froide venue du fleuve, les deux tiers de la vapeur redeviennent de l'eau et repartent vers le cœur. C'est pour ça que les centrales sont toujours au bord de la mer ou d'une rivière, car elles ont besoin de beaucoup d'eau froide. Le reste part en vapeur, c'est ce grand panache blanc. Et elle explose jamais ? Normalement, non. Mais il faut faire très attention, car l'air est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Regarde, en se cassant, l'atome d'uranium libère à son tour des neutrons qui vont aller casser d'autres atomes d'uranium. Si on laisse aller, le cœur va chauffer de plus en plus et exploser. C'est ce qui s'est passé à la centrale de Tchernobyl, en Ukraine. En explosant, elle a émis des particules radioactives qui ont voyagé avec le vent et qui ont duré très longtemps. C'est pour ça que les centrales sont équipées de dispositifs qui empêchent cette réaction en chaîne. Alors, heureux ou pas? Les partisans du nucléaire disent que c'est une source d'énergie qui ne risque pas de s'épuiser et qui ne pollue pas comme le pétrole ou le charbon. Les opposants, eux, disent qu'une erreur humaine est toujours possible et qu'on ne sait pas quoi faire des déchets nucléaires qui demeurent radioactifs. Une centrale nucléaire, c'est un peu comme une voiture, dangereuse si elle est mal conduite, mais très utile si quelqu'un de compétent, comme moi, est au volant.